Revenge Studio. Salut les petits joueurs du 21e siècle. On vous avait prévenu que nous serions parrains d'un événement d'eau du sang à Marseille, ainsi qu'invités au Eurofestival, une convention, à Marseille. Eh bien, voyez-vous, le temps est venu de vous montrer tout ça. Scrogneux. Bon, blague mise à part, nous avons été donc parrains de cet événement, Don du sang, le 27 octobre 2018. Puis, nous avons participé au Eurofestival les 10 et 11 novembre 2018. On va donc commencer dans l'ordre et donc commencer avec l'événement Don du sang. À tous et à toutes, donc c'est Hermite de Crazy Bush Studio et on est en compagnie de... Beaucoup trop de gens. Oula. Pour certains des acteurs de Crazy Mode Studio, donc des acteurs de Cyber, avec des tenues légèrement spoilantes. Non, pas moi. Pas le dire. Tout le monde se bat pour Hermite, tout le monde aime Hermite. Et là, on a par exemple Maxime qu'on va voir bientôt. Tout le monde aime Hermite. Il y a plein de cosplayers, allez. J'aime pas Hermite. Ouais. Faites coucou. C'est Harry Potter, on a de tout. Donc n'hésitez pas à aller donner votre sang à la maison du sang. Donc tout le lien et tout est dans la vidéo de Jurassic Park. Donc n'hésitez pas à venir, nombreux. Et du coup, bah, éclatez-vous. Allez, salut à tous. Au revoir. Voilà, ça fait les comptes de ce côté. Don du sang fait pour Hermite et du coup pour Fanturi. Malheureusement, Oran ne peut pas, elle est fatiguée. Moi je suis partie fragile, je suis partie à la guerre. Oui, je confirme. Moi je suis quand voilà. Même partie. Donc super journée, bon temps de merde, mais super journée. Donc n'oubliez pas vraiment, si vous pouvez et que vous voulez donner votre sang, n'hésitez vraiment pas, ça sauve des vies. Sinon, bonne journée à vous et on espère du coup vous voir, on le redit, au Eurofestival du coup les 10 et 11 novembre, samedi et dimanche du coup, au stand Jeunes Talents du Web. Allez, les gens, on leur fait coucou. Donc voilà, très très bonne journée de le don du sang, franchement. On a pu rencontrer des gens incroyables, que ce soit des cosplayers qui ont donné leur sang, des cosplayers qui ont fait de la pub, que ce soit les gens qui organisent cet événement, c'était vraiment très très cool. Et le fait de donner son sang, ben, honnêtement, c'est très gratifiant. On vous recommande encore une fois de le faire si vous pouvez et que vous le voulez surtout. N'oubliez pas, ça sauve des vies. On est aussi content bien sûr d'être passé dans le journal, lol. On a vu ça qu'on est passé dans le journal de la Provence. D'ailleurs, on est également content parce que Marc Grosso, donc la personne qui s'occupe de gérer tout ça, nous avait dit qu'il fallait à peu près une trentaine de dons pour assurer les besoins hôpitaux par jour. Et que bah, cette journée-là, on a réussi, malgré le mauvais temps et compagnie, à réunir à peu près une quarantaine de dons. Donc 10 de plus que ce qui est recommandé, ce qui est demandé. Du coup, on est vraiment fiers, vraiment très très fiers de cette expérience et de cette journée. Et du fait d'avoir pu parrainer cet événement. Donc voilà, très très bonne expérience. Mais bon, je pense qu'on va passer à l'événement qui vous intéresse sûrement un peu plus, c'est-à-dire l'événement du Eurofestival, donc, où on était invité pour faire en tout, en deux jours, 4 séances dédicaces. On a rencontré plein de monde et compagnie. Mais bon, on va laisser les images se dérouler et vous montrer un peu l'ambiance sur le stand et compagnie. Et on débriefera après cette vidéo. Salut les amis! Hey! Salut les amis! À tous et à toutes! C'est Hermite la marche Pokémon et je suis avec Miss Fanturi. Coucou!
Donc on est là pour le Hero Festival, nous sommes jeunes talents du web, on le rappelle quand même parce que bon... Nous sommes des professionnels, s'il vous plaît. C'est très le talent, voyez-vous, moi qui fais ça sur un fond vert tout pété... Quel fond vert? En fait non, je suis réellement dans l'univers. Non, y a pas. Donc on se retrouve du coup pour la convention. Du coup, on est arrivé. On est arrivé, on rentre par l'entrée exposant, on se retrouve tout de suite. Oui. Voici donc la fin de l'aéro. Non, je déconne, c'est le début. Oui, c'est beau, c'est vite. Donc il y a tout qui se remplit. On ne me voit pas bien entendu parce que ben lol, je suis derrière l'appareil. Du coup, on va aller à notre joyeux stand. On se retrouve là-bas. Décidément, ça fait beaucoup de coupures. Sans déconner, je sais pas si vous connaissez ces youtubeurs, honnêtement, Crazy Bone Studio. Ça vous dit quelque chose, vous, Crazy Bone Studio? Non, je connais pas. Je sais pas ce qui c'est du coup. Bon, bah en tout cas, bah. Crazy Bone Studio. Voilà donc, nous sommes. Au Artist Alley Hero du Web. Du coup, on y est du coup avec par exemple des grands youtubeurs quand même comme Lucas TV, nous. Space Babies TV, Lord of Screen, Drixio, un youtubeur Fortnite, on aime, Spate, Sifano et Guillaume et Kim. Donc voilà, donc pour le coup, grand plaisir d'être là, honnêtement. 200 dédicaces par jour, donc 400 dédicaces en tout. Du coup, nous sommes avec Aurore. Yo. Et Venturi. Salut. Quel homme d'art. Du coup, voilà, il va jouer le rôle de Sasuke. Allez, on vous laisse. Mais l'autre. Oh merde. Dégustation de mochi, alors vas-tu mourir? C'est bon? Attends, c'est Cléopâtre en fait, il faut que le goûteur goûte pour voir si c'est bon. Attends, on veut traiter de diva, moi je fais en sorte que d'être la diva. C'est la besoin de goûteur là dessus. Tu es une diva? Exactement. Je veux une couronne. Permis de la diva. Si tu me trouves une couronne avec marqué Queen dessus, bah. Voilà, il y en a peut-être dans les rayons pour les enterrements de vie de jeune fille. Alors? Ouais, c'est une texture bizarre, mais. Alors? Je vois pas. T'aimes pas? Non. C'est vraiment une. Baiser la chèvre. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux.
À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Faudrait m'interdire une table de montage pendant au moins 5 ans. Non, sans déconner, Hero Festival, très bonne convention. Très très bonne première convention. On a pu rencontrer les gens qui nous suivaient déjà et des gens qui ne nous suivaient pas encore et qui du coup maintenant nous suivent à présent. On a pu faire plein de photos, faire plein de dédicaces. On avait, je crois, un stock de 54 flyers. On les a tous utilisés. On a même utilisé deux papiers de dédicaces du Hero Festival. Donc on a à peu près fait, on va dire, allez, 56 dédicaces, c'était énorme pour nous, pour une première convention. On s'y attendait pas du tout. On a pris plein de photos et tout. On s'est bien amusé, franchement. Mais du coup, on espère vous revoir pour d'autres conventions. On essaie d'en prévoir d'autres, là, pour l'année prochaine, pour l'année 2019. Mais on vous en parlera plus tard, durant l'année 2019. On a rencontré aussi, donc, d'autres jeunes talents du web, d'autres, entre guillemets, petits youtubeurs. Que ce soit Space Babies TV, qui était extrêmement sympa. Spade qui aussi était très cool, Lord of Screen qui avec qui personnellement moi Hermite compte peut-être faire des trucs genre les débats sur sa chaîne ou d'autres projets que je ferai personnellement à voir, mais du coup trois youtubeurs extrêmement sympathiques. Mais pour ce qui est de du coup Drixio, Guillaume et Kim, Drixio je l'ai rencontré vite fait, Guillaume et Kim je les ai pas rencontrés, Lucas TV je l'ai entreaperçu, il était sympa, et Sifano, c'est Sifano. Donc voilà, donc très bonne convention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je fais ma pub comme d'habitude. Et on se retrouve du coup pour la vidéo bilan année 2018. Et du coup, les annonces de l'année 2019. Donc la vidéo de fin d'année, la vidéo des 2 ans de la chaîne. C'était Yo Hermite de Crazy Bone Studio. Salut à tous!